décida de s'asseoir sur l'herbe à bonne distance du palmipède, puis l'observa amusé. Il ne semblait pas agressif, il continuait à regarder autour de lui, avec cet œil qui découvrait les choses pour la première fois. Il se remémora les belles rencontres lumineuses qu'il avait faites, Séverine et ses êtres de lumière. Il avait eu bien du mal à y croire, mais cette rencontre avait éveillé en lui des questionnements. Puis, sur le chemin, il rencontra d'autres créatures bizarres à ses yeux, un zèbre et un éléphant. Au souvenir de cette rencontre animalière, il se mit à sourire. Dire que je ne les supportais pas, ces deux-là. Particulièrement l'éléphant, qui avait bu toute l'eau du lac, mais qu'il avait restitué en fontaine d'amour. À cette simple pensée, il éprouva un sentiment de joie, sentiment qu'il ne reconnaissait pas. Pourtant, il venait de perdre son travail. Malgré toute sa bonne volonté, la patronne de la carrière de granit lui annonça sans ménagement. « Vous êtes viré. Il est inutile de revenir. Votre manque de motivation est flagrant et je ne peux vous garder dans l'entreprise. » Même si la nouvelle n'était pas réjouissante, il décida que cela n'était pas si grave après tout. Vipeka sentit une présence autour de lui, apaisante. La petite continua d'observer en silence ce spectacle étonnant.